tu patu na pia, al finio tu patu na pia, al finio tu patu na pia, al finio tu patu na pia, que a peso se pau a sa febra, e a geio a pilo ne pebra, o lo chita e a quase zoni, me no papo e te pa quase, o papo a bebe si a, bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la radio Tchestarité. Aujourd'hui, nous avons vraiment un invité spécial, le docteur Jean-Yves Saint-Paul, sociologue de formation, auteur de plusieurs ouvrages, professeur à l'université, pour une émission sur la commémoration de la mort de l'empereur Jean-Jacques de Staline. Bon, et Papa Nation, qui fait que le docteur et Jean-Eddy Saint-Paul, que nous comptons pour nous recevoir la Kaila. Mais Kaila, c'est Kaipa, et moi, que dans le moment, ça, que faut qu'on passe quand même, parce que nous, on connaît que, aussi, nous avons haïtien conséquent, nous avons une journée, et qui réellement, que nous sommes très, très fiers de vous, parce que vraiment, c'est pas mes grands intellectuels que nous gagnons, et qui viennent aux États-Unis, qui continuent à prendre en pile service dans le domaine de l'éducation. Et monsieur Taremé et de la Canada. Qui veut que Nabdo, bonsoir sur plateau, et que Nabdo, c'est tout bienvenu tout pour l'émission ça. Et sur la mort, ou bien sur le 218e anniversaire de la mort de l'empereur Jean-Jacques de Salé. Bon, premièrement, c'est un grand plaisir pour moi-même, frère Vito, pour moi retourner dans Kailan. Donc, Radio Télé Solidarité, c'est là Kailan.
Depuis l'époque, Bishop Sansarik de regretter mémoire, moi fait un pile émission avec Bishop Sansarik, moi fait un pile émission avec vous sur différents thèmes qui de grande importance pour la communauté noire. Hein? Donc, c'est avec un honneur pour moi-même pour me répondre à l'invitation à Soya pour nous pour aller échanger. Sous, pour nos exercices, nous allons faire après-midi hein, ou bien à soir. Premièrement, moi, j'aimerais clarifier pour tout téléspectateur, yo, pour tout auditeur, c'est un exercice de mémoire qui est lié. Parce que un peuple qui n'a pas de mémoire, c'est un peuple qui n'a pas de côté le sorti, qui n'a pas de côté le campé, ni qui côté le bralé. Donc, premièrement, ça, nous allons faire à soi, son exercice de sociologie de la mémoire, ça qui en anglais, nous des memory studies. Ça, c'est le premier bagage. Moi, bien apprécié, façon introduit l'émission, où dit c'est commémoration. La commémoration, ouais, gain racine moa, con, qui voulait dire avec, et puis, mémorale qui voulait dire se souvenir. Ça veut dire, Jean-Jacques Dessalines, c'est papa nation haïtienne, non? Yon nation, c'est un projet qui est lié. Yon nation, c'est avant tout, c'est un projet politique, c'est un projet idéologique lié d'abord, et puis après ça, deux projets idéologiques. Nation a pral vin matérialiser comme projet politique. Donc, Jean-Jacques Dessalines, c'est lui-même qui instigateur de capable de nation, la dimension idéologique, li, la dimension politique li, et la dimension matérialiste. Li, et nous capables de dire dans toute dimension spirituelle. Li. Donc, c'est avec un grand plaisir que nous répondons à l'invitation à soi. Mais que, en tout cas, nous donc, vous remercie, parce que nous connaissons très, très, très occupés. Malgré tout, tu es créé temps pour nous, ou créé temps pour la communauté, parce que je crois que l'éclairage est toujours porté dans l'émission que nous faisons avec vous. C'est toujours très éducatif, toujours aider les gens. Réfléchir, penser, là, que aider à connaître notre bagage, que, et que réellement, peut-être, tu ne pas attendre à l'autre côté. Parce que réellement, que l'autre parler, et dans l'émission, nous sommes capables de dire que c'est presque un coup que ça y est pour nous-mêmes. Mais première question, nous t'aurions peut-être posé où? Est-ce que nous sommes capables de faire un portrait de l'empereur Dessalines? Et vraiment, qui vraiment maman cause? Qui maman cause qui va être. Nous ne pouvons pas dire que tu es tué, tu es assassiné. OK. Bon, excusez, pour commencer, Jean-Jacques Dessalines n'est pas de fait empereur. Donc, c'est Vini n'est pas de empereur. Très talent ville d'ailleurs. Et, bon, là, nous sommes très talent. Bon, très tard avant que qu'il ait assassiné Jean-Jacques Dessalines. Nous connaissons Jean-Jacques Dessalines n'est fait l'an Cormier et l'an Nord-Péan et en Grand-Rivière-du-Nord. Et Jean-Jacques Dessalines n'est fait dans l'année 1700. En 58, bien que pas gagne discussion sur moi que monsieur fait là, donc gagne monde qui dit c'est mois de juin, gagne l'autre monde qui dit c'est mois de septembre. Donc, nous pas pour entrer dans le détail. So, Jean-Jacques Dessalines, lui c'est un monde qui fait et encore alors il a réduit monsieur en esclavage, monsieur était qu'on est esclavage là. Pendant que dans tout le capable de processus de développement, li. Donc ça veut dire son monde qui passait en pile misère. Donc on est esclavage, c'est Jean-Christian Taubira dit ça, dans le travail, li, et avec un pile d'autres monde qui travaille sur un pile d'autres intellectuels qui travaillent sur la question esclavage. Esclavage, c'est un système qui déshumanise mon monde. Qui démonisait mon nom, qui déboussolait mon nom. Donc, Jean-Jacques Dessalines, son monde qui était passé par tout un processus, il cherchait tout le monde qui était capable de déshumaniser lui. Esclavage, là, il quittait des séquelles, non seulement physiques sur mon nom, mais c'est des bagages qui affectent au niveau affectif, au niveau mental, au niveau spirituel, au niveau psychologique. Donc, pour passer, sortir un esclave, après ça, pour venir. Commandant yon l'armée. Donc, quand nous utilisons le terme, nous appelons ça résilience. Nous sommes capables de dire, dans l'époque de Saline,
Tem rezilyans nan pat egziste, men nou kapap di se yon moun ki rezilyan, pil sa ve di son moun ki gen an pil fos interyeur, se tan kon yon resor, malgre tout pliye ou pliye li, men resor a li kapap bend, men li pa jam vreman kase, e pi Jean-Jacques Dessalines, se li men ki ta pral lider le ou fin depote tout sen l'ouverture, e a ki ta pral mouri dan de kondisyon infra-humen, Et au château de jour dans le Jura en France Jean-Jacques Dessalines excusez en voit Toussaint Louverture t'est mouri alors t'es te déporté liste Toussaint Louverture son il t'a dit en me renversant on a abattu à Saint-Domingue le trône de l'arbre de la liberté mais cet arbre il se repoussera par ses racines car les racines sont nombreuses et profondes et bien Jean-Jacques Dessalines c'était racine ça qui t'a pral émerger et qui t'a pral exercer un grand leadership militaire qui t'a pral exercer un grand leadership politique Jean-Jacques Dessalines son monde qui t'a gagné une vision son monde qui t'a gagné un leadership c'était un commandant militaire que il était ça veut dire c'était l'époque lui un plus grand militaire de tous les temps et bien Jean-Jacques Dessalines c'est un leader ça qui t'a pralé et bataille avec les gens de l'élite, ouais, que ce soit à l'éclair, que ce soit à Rochambeau, Jean-Jacques Dessalines t'a pralé bataille avec les hommes d'élite, les hommes, les capables de dire les militaires les plus, qui étaient plus brillants en génération, yo, eh bien, Jean-Jacques Dessalines t'a pralé et cassé dans l'armée expéditionnaire songez là nous parler des expéditionnaires ça veut dire son l'armée exterminatrice son l'armée qui était venue pour te fini avec tout monde ça yo qui c'est africain qui te dit pas d'accord pour vivre dans l'esclavage d'ailleurs nous songez Rochambeau était venu avec un série de gros chiens qui était préparé pour te venir dévorer les haïtiens alors monde ça yo africain ça yo qui t'a bataille pour liberté yo Eh bien, Jean-Jacques Dessalines, c'est à cause de même, nous avons gagné la bataille de Vertu, la dernière bataille décisive, 18 novembre 1803. C'est Jean-Jacques Dessalines qui a lu l'acte de l'indépendance, la proclamation de l'indépendance à Gonaïve, le 1er janvier 1804. C'est Jean-Jacques Dessalines tout qui a pris la nation, de capable de former. Parce que c'est Jean-Jacques Dessalines qui t'a pris le premier, il est capable de commandant en chef là, mais et puis qui va venir premier dirigeant politique pays d'Haïti. Et c'est Jean-Jacques Dessalines tout qui t'a pris à créer l'empire d'Haïti et côté dit après sacré empereur et en octobre septembre octobre 1804. Et Jean-Jacques Dessalines t'a pris quitter pour société. Hein? Yon nan pi gwo œuvre, n'te kapab di document légal, document politique, juridique qui existe, qui c'est la constitution du 20 mai 1805, qui c'est yon, sa pardon, qui sont documents, et que en pile, nou ta supposé a réfléchir sur li, nou ta supposé a faire dissertation sur li, nou ta supposé a écrire en pile livre sur la constitution du 20 mai 1805. Pour sa constitution, ça l'y représenter en termes de projet en idéologique, en termes de projet politique et en termes de projet pour bâtir société. Voilà, c'est comme ça, moi, capable de camper Jean-Jacques Dessalines et pour téléspectateurs et puis pour auditeurs radio Télésolidarité. Bah, et que, bon, moi, ils sont réellement que contre ça, que moi, que nous avons pris le bagage que nous apprenons de lui. Mais avant que nous vivions. Plus loin, est-ce qu'on va parler de Toussaint Louverture, tout bon, Toussaint Louverture qui était et c'est le précurseur, bon, c'est lui-même qui était préparé, bon, l'avenir de Dessalines. Est-ce qu'on va faire la différence entre Toussaint Louverture avec Jean-Jacques Dessalines pour nous? Donc, moi, je pense que c'est des leaders qui complémentaires que liés, parce que si vous parlez de Toussaint Louverture, parce que il faut ne pas rentrer, grand prix, mon client est dans des massas, c'est Dessalines, non Toussaint Louverture. Moi, je pense que c'est un processus qui est lié. Ce n'est pas Dessalines qui a commencé le processus. D'ailleurs, c'est peut-être ça. Moi, je prends le soin d'aller à l'aimer parler. Je me dis que l'air pour aller déporter Toussaint Louverture,
Eh bien, avant ils ont embarqué, lui, et puis il dit que en me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté. Ça veut dire, dans l'époque, ça, Toussaint a ferraillé, Jean-Jacques Dessalines, lui-même, il t'a pris bête. Jean-Jacques Dessalines était à l'école, il t'a préparé. Lui. Donc, moi, je pense effectivement, Toussaint Louverture, ce pionnier. Hein? Et projet Toussaint Louverture, il a gagné en stratégie de bataille, monsieur, il n'y a pas de même. Parce que Toussaint Louverture, lui-même, il était toujours considéré tête comme un citoyen français. OK, mais Dessalines pas jamais considéré tête comme aucun citoyen français. Donc, ça veut dire la bataille de Toussaint Louverture, tout combat de Toussaint Louverture, était fondamental pour être capable d'émerger l'émergence de yon monde comme Jean-Jacques Dessalines. Si Toussaint Louverture pas mené bataille ça, l'étape plus difficile et presque impossible pour nous gagner Jean-Jacques Dessalines réalisé pour ça. Donc, moi, je pense que Jean-Jacques Dessalines son leader qui est plus radical que Toussaint Louverture. Mais Toussaint Louverture, ouais, c'est parce que c'est Toussaint Bridal qui relève, parce qu'il était fait sous l'habitation Bridal au haut du Cap. Ouais, le divin pral prend le, yo pral bal le, on capable de dire non ça l'ouverture, parce que c'est lui-même qui ouvrit la voie. Ouais, donc moi, je pense que Toussaint Louverture est important pour de Jean-Jacques Dessalines. Même pas c'est leadership, Jean-Jacques Dessalines, son leadership qui est plus radical. Parce que Toussaint, Jean-Jacques Dessalines, lui-même, il va chercher aucune reconnaissance. Diplomatiquement, il n'y a pas de même vision. Diplomatiquement, il n'y a pas de même stratégie. Donc, Dessalines, c'est un monde qui était plus radical. Donc, Dessalines n'a pas besoin aucune reconnaissance, non, mais aucun français, contrairement à ça, Toussaint Louverture t'a cherché. Et nous, capables, le monde néocolonial, eh bien, leader monde capitaliste, un capitaliste qui n'a pas fonctionné sans racisme, il est plus à l'aise pour parler de Toussaint Louverture. Et yo pas vraiment à l'aise pour parler de Jean-Jacques Dessalines. N'a pas que majorité intellectuelle, historien qui fait livre pour parler de la révolution haïtienne, que ce soit yo pral parler de présenter Toussaint Louverture, c'est comme si Toussaint Louverture c'est lui-même qui t'a matérialisé la révolution haïtienne, alors que la révolution haïtienne non, li pral matérialiser à partir de bataille de Vercher 18 novembre 1803, Toussaint Louverture pas là encore. C'est Jean-Jacques Dessalines qui tape matérialiser révolution haïtienne. T'es un auteur trinidadien qui te relé CLR James ou CLR James qui pral écrit un livre qui relé The Black Jacobin, Toussaint Louverture and the Saint Domingo Revolution. Les Jacobinois, Toussaint Louverture et la révolution de Saint-Domingue. C'est comme si L.R. James présentait Toussaint Louverture comme le leader incontestable et incontesté de la révolution haïtienne. Alors, tout ça, c'est des biais historiques parce que si L.R. James, ou bien si L.R. James, c'était un intellectuel qui était anti-Dessalines que lié. Et nous avouons que, par exemple, soit aller dans un musée qui gagne Washington, Musée of African American History, un musée que Barack Obama lui-même était participé à l'inauguration. Ou après que, là, à la musée, ça, Washington DC, ou après, ils mettaient Toussaint Louverture comme l'un des pères fondateurs, vous comprenez, des Amériques. Ouais, alors que ils n'ont pas mis Jean-Jacques Dessalines. Ça veut dire, jusqu'à présent, l'Occident toujours a un problème avec Jean-Jacques Dessalines. Bien quand on pose une question, ça. Parce que gagné ça peut-être 2 ans de cela, tu as gagné New York Post. Nous connaissons New York Post, c'est un journal qui est très conservateur que lié. Eh bien, yo te contacté, moi, laisse-moi moi dans l'arrière, madame, moi, petit peu, nous avons la maquette. Eh bien, pendant madame, moi, rentre dans la maquette, je suis dans la machine, je m'a baillé en interview. Je pose une question sur ça, je pense que c'est de Jean-Jacques Dessalines. Eh bien, tout ça me dit, yo, sur Jean-Jacques Dessalines. Eh bien, yo senti, samedi, di, yo se pat sa yo tap cheche, y a le jis Louisiana, lan universite a Louisiana, yo pran yon auteur ki ekri li sou Toussaint Louverture, ki pa vle ou e Jean-Jacques Dessalines. Kontrèman lè sa man, mèm se mèm te direkteur institut etude haïtienne nan City University of New York, pou pozisyon mwen, se opinyon mwen, yo ta dwe pran, eh bien, kwa ki yo fè interview avèk, yo pa jam pas interview, yo pa jam inkorpore interview mla, ti yo tap ekri an, parce que yo t'a dénigré Dessalines et moi-même ça me dit c'est pas information de servir pour dénigrer Dessalines. Je cherche un historien juste la Louisiane qui sont blancs
Eh bien, c'est ça, historien blanc, dit yo, yo vin bali plus crédit que moi-même qui haïtien, qui c'est directeur fondateur Institut d'études haïtiennes. Vous comprenez? Donc, c'est pour montrer jusqu'à présent, l'Occident a un pile problème avec Jean-Jacques Dessalines. Ou après, donc, paquet d'organisations dans la communauté, non, c'est non tout seul ouverture, yo pote, mais très rare organisation qui pote non Jean-Jacques Dessalines. Donc, ça, c'est un stigma. Jusqu'à présent, il y a une bataille qui pour faire qui pour déstigmatiser le nom et me capable dit de Jean-Jacques Dessalines dans l'opinion publique là. Bon, que réellement que nous réellement content parce que nous avons tout. Ouais. Mais qui ça vraiment capable de nous de gouvernement de Saline? L'aigle que papa nation et que lui proclamer indépendance en 1804, l'Afrique que bon, et que lui, bon, lui pour petit Afrique tout, t'as doué, bien par un gâteau. Qui sont capables de nous de gouvernement ça? Bon, alors, question, son belle question. Je ne sais pas qu'on émission ça pour combien de temps nous là, si nous avons le temps devant nous, parce que question, ça, c'est une question qui m'a dit pour me rentrer dans le domaine, moi, qui c'est sociologie, pour moi, utiliser des outils de l'analyse sociologique pour me capable bien répondre à une question. Pour parler de gouvernement Jean-Jacques Dessalines, en Frère Bito, nous ne pouvons pas parler de Jean-Jacques Dessalines sans ne pas faire une petite synthèse pour nous retourner sur qui circonstances historiques qui étaient bonnes aux révolutions haïtiennes. Pour nous connaître un Saint-Domingue comme une société capitaliste liée, son société de classe qu'elle était. Ça veut dire où tu as gagné la classe des grands blancs, où tu as gagné blanc, grand blanc, où tu as gagné en pile subdivision dans l'armée, où tu as gagné les petits blancs, ça veut dire les blancs dans yo. Ou te gen la klas des afranchi, et puis ou te gen la klas des esklav. Pour nous konnen lan afranchi yo, te gen moun ki te noa ki te afranchi, et bien te genyen moun ki noue le milat yo ki afranchi. Donc lansan sa, moun klas afranchi sa yo, se moun so ki tabralele les ansyen libre. Mais ou te gen mas esklav yo, eh bien, avant 1794, masse esclave, ça y était l'esclavage. Eh bien, nous pral ouais que indépendance haïtienne, dans toute bataille de Vertier, toute go bataille qui pral fait, qui pral mène nous à bataille de Vertier, là, pral vin gagne yon alliance, yon entente qui fait très tard, entre, et m'de capable dit, le groupe qui était sous l'obédience de Alexandre Pétion et de capable de dire l'autre groupe qui était sous l'obédience de Jean-Jacques Dessalines. Ça veut dire, étant donné que les anciens libres, ou comprennent, mulatio, mounsayo yo même, yo te gen pile grief, yo te gen pile problème avec système colonial là, parce que, monsieur, te jugé que, en pile là-dedans, yo presque même couleur avec blanc, yo te gen pile mulat qui censé presque même couleur avec blanc, yo. Songez en pile dans mulat sa yo, parents ont été voyés à l'étudier en Europe, particulièrement en France. Mais là, ils retournent dans la colonie. Ils n'ont pas quelle position, yo fonction, ils n'ont pas qu'à remplir. Par exemple, ils ont un ensemble de fonctions religieuses, ils n'ont pas qu'à remplir. Conseil de fonction, l'administration publique, ils n'ont pas qu'à gagner. Gagner une série de postes dans l'armée, hein, qui n'ont pas de réserve à eux-mêmes. Ça veut dire ou gagnez ancien libre ça yo eh bien qui te gagne pile frustration contre système colonial là yo te gagne pile frustration contre système colonial là pas parce que yo te vle émancipation moun ki pi pov yo mais yo te vle yo même ou yo gagne accès à tout privilège pour pardon tout privilège blanc yo tap joui yo pour yo même pour yo te capable joui yo tout donc ça veut dire 10 8 novembre 1803 et même aux officialisation indépendance en 1er janvier 1804, c'est résultat d'une alliance stratégique. Mais c'est une alliance stratégique qui est très fragile que liée. Parce que monsieur Sayo qui te met tête avec Dessalines pour yon bataille contre ennemi commun qui c'est blanc, mais automatiquement yon fin débarrasser aux deux blancs, yon pas de jambes l'on l'idée pour fonder une nation parce que là n'a pas de nation. Au niveau sociologie, nation son projet d'abord que lié. Ou pas qu'à gagner nation sans ça en sociologie, nous relais solidarité horizontale. Ou pas qu'à gagner nation
sans l'idée de communauté. Ou pas qu'à nation, c'est une sorte de communauté d'intérêt que l'il y a. Ou pas qu'à une nation sans que la notion d'entraide. Ou pas qu'à une nation sans la notion de bien commun. Ça veut dire, à partir du 1er janvier 1804, eh bien, tu as deux visions de société. Tu as d'un groupe, surtout les anciens libres, qui te voulaient fonder une nation pour tête. Yo. Yo te un projet national en tête. Yo. Projet nation, c'est une nation qui t'a appris à construire son modèle nation coloniale. Côté eux-mêmes, qu'on y a là, ils t'apprennent à joindre tout privilège parents ou de conduire. C'est ça en sociologie, le travail moi, c'est une sorte de transfert de classe. Et en face, messieurs, ils ont gagné le groupe de Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines, même vision, c'est que les Africains, les anciens libres, les nouveaux libres, tout le monde met tête ensemble pour faire indépendance. Là. Eh bien, qu'on y a là, en nous rebrasser quatre là, en nous construire une société, ni pas une société qui a une égalité parfaite, parce que Haïti lui-même, il prend naissance dans le système capitaliste, non? Ça veut dire son système capitaliste qui a pris naissance en Haïti, mais aussi un capitaliste qui gagne plus sensibilité pour social. Eh bien, Jean-Jacques Dessalines, il était vrai. Pour que gon certaine redistribution, répartition ensemble de richesses qui capable faire, gon ensemble de services que membres de la société ont dû gagner accès avec eux. Eh bien, frère, moi, depuis le premier jour, depuis Ogonaïve, depuis le 1er janvier 1804, tu as déjà gagné des conflits entre deux visions, ça, yo, même si yo pas co-exprimé explicitement le 1er janvier 1804. Mais l'entête, monsieur, qui te fait alliance à Dessalines, yo connaît depuis au fin débarrassé de colons français, yo, c'est yo même qui pral prend place colons français. Yo. Ça veut dire pour bien comprendre, frère Bito, 1er janvier 1804, tu as gagné deux projets de société, tu as gagné deux projets de nation. Une nation qui c'est une nation qui est basée sur l'exclusion, qui c'est projet en petit, en colon blanc, yo, et puis gagné. Pardon, yon l'autre projet de nation qui c'est l'idée pour te faire yon l'état nation. Ça veut dire yon nation, yon l'état qui yon service de nation. Eh bien, premièrement, songez les noirs parler de la révolution haïtienne. La révolution haïtienne, li fait li copie en pile bagay tout, même si son révolution pi radicale, mais gen des notions de liberté, d'égalité, de fraternité. Qui était en vogue dans l'époque là, eh bien notion ça retour yoté sonné fort là en Haïti avant 1804 et à partir de 1er janvier 1804 tout. D'ailleurs si vous allez là à l'indépendance là, ou après première expression avant ancêtre nous écrit aujourd'hui le 1er janvier 1804 avant même yo écrit aujourd'hui première expression nous je dans à l'indépendance il dit liberté ou la mort. Ça veut dire, pour projet de Salines, l'esclavage, c'était l'emmolté. C'est-à-dire, il était envisagé une notion de liberté largement large. Notion de liberté, ça, ou pas qu'à gagner liberté sans ou pas gagner un ensemble de droits. Ou pas qu'à gagner liberté sans ou pas gagner accès à la propriété, à la terre. Ça veut dire, il y a un premier bagage Jean-Jacques de Salines, ouais, pour lui faire, c'était la réforme agraire. Une façon pour être capable diminuer logique, empêcher logique l'état d'exclusion, hein? Lui-même lui prend naissance. Donc, et c'est ça qui prend pour lui matérialiser projet ça. Jean-Jacques Dessalines, il a pris un groupe de collaborateurs écrit une constitution qui c'est constitution 20 mai 1805. Donc, constitution 20 mai 1805, ça, li di en pile bagay, li di esclavage li aboli à tout jamais. Li explique que tout moun yo dwe genyen li capable di accès ensemble de bagay pour yo capable vivre comme moun, comme dignité. C'est un projet pour te dignifier la vie tout moun kap vivre dans société et c'est pas seulement haïtien parce que après indépendance te genyen des anglais te gagné des Allemands et te gagné des Polonais qui t'a vivent en Haïti. Si vous regardez la constitution 1820 1805 là,
Jean-Jacques Dessalines explicitement cité non des Allemands et des Polonais, moun sou ki ta viv nan peyi an. Sa ve di Jean-Jacques Dessalines te vle kreye yon sosyete kote kelkan swa moun ka viv sou teritwa lan, e bien ou ka viv tan pou moun. Malheureseman, se pa sa lot pou plante wè li. E malheureseman, sa ki pral fèt. Qu'est-ce qui était chef de file de notre groupe ça? Non, l'autre groupe là, normalement, où tu gagnes, c'est le groupe Alexandre Pétion, c'était principal chef de file de l'autre groupe là. Parce que songez, Alexandre Pétion, Oui, continuez, vous pouvez continuer. Alexandre Pétion, songez, c'est Alexandre Sabès, si papa le te reconnaît, c'est Alexandre Sabès qui t'a signé. Pétion, son monde, papa lui, pas te reconnaît. C'est un monde ou l'autre monde qui te reconnaît Pétion, ou comprendre, permettre que Pétion ka fon ensemble de bagay, qui fait li pral prendre le nom de Pétion. Ça veut dire Alexandre Pétion, qui t'a dit Alexandre Sabès, c'est un monde qui fait, qui grandit à tout un complexe d'infériorité, un complexe de frustration. Ça veut dire, li c'est un monde qui te voulait automatiquement que papa li, groupe moun papa li yo parle encore pour lui prendre ça qui te revenu le doigt parce que lui connaît que blanc lui même c'est violer maman lui connaît dit c'est petit blanc lui même pas jamais reconnaître yo vraiment donc ça veut dire yo te wè espace là pas un espace de convivialité d'ailleurs les n'a parlé des nations yo explique au gain un philosophe espagnol qui te relé José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset dit en espagnol: la nation est un espace de convivialité. Nation est un espace de vivre ensemble que lié. Ça veut dire, projet de vivre ensemble, ça, nous te venons dans le groupe Boca de Saline, mais l'autre groupe là, nous te voulons vivre ensemble, mais entre eux-mêmes, mais pas au sens large. Nous te voulons créer ça, nous relais, nous restrictifs, alors que Jean-Jacques de Saline, elle t'a parlé du nous, elle te veut un nous qui puisse être inclusif. Donc, c'est bataille entre deux projets idéologiques, ça, son j'aime de nation, avant de transformer en projet politique, avant tout son projet idéologique. La bataille idéologique, ça, nous avons des alliances qui font, parce qu'il faut bien expliquer ça. C'est que y a un ensemble de généraux dans l'armée, hein, des gens qui étaient à côté de Dessalines, mais par rapport à privilèges, ils ont besoin de juifs. Il y a un plus gros généraux noir qui a fait alliance avec les gens des groupes de Pétion, et c'est alliance stratégique ça, qui a débouché sur l'assassinat Jean-Jacques Dessalines 17 octobre 1806 à Pont-l'Arnage que plus tard il aura rebaptisé le Pont Rouge. Voilà. Mais Est-ce que pour bien comprendre, pour bien comprendre le projet. vraiment c'est pas rouge comme c'était moi? Bon, juste ça, c'est un bagage qui a fait débat. Et il y a des gens qui disent c'est la caille Pétion, mais nous-mêmes, jusqu'à présent, étant donné beaucoup en recherche, je n'ai beaucoup je n'ai aucune évidence. Et gampi livre que m'acheter pour par exemple gardons livre m'acheter là m'appli souvenir historique de général Guy Joseph Bonnet général de division des armées ça sont livre que publié pour la première fois en 1864 c'est un livre m'ont fait acheter ça veut dire ça m'a fait m'a éduqué tête moi m'a acheté une série de livres qui étaient écrits par des monde qui étaient témoins période là mais jusqu'à présent moi capable dire nous rester avec narratif pour la nage là, mais puis devant ça a changé, ça va dépendre de quel type de révélation, c'est de documents sous-primaires, documents historiques dans le monde qui était dans la période, parce qu'ils ont quitté des documentations. Mais malheureusement, l'État haïtien, par exemple, un livre comme ça là, qui c'est un généraux de l'armée d'Haïti, mais qui gardait sous-gardé derrière le livre là, ou après c'est Hachette, qui c'est une maison d'édition en France, et BNF, Bibliothèque nationale de France. Ça veut dire tout document ou besoin acheté sous héros indépendants, soit acheté sur Amazon jusqu'à présent, qui est-ce qui fait l'argent avec documents ça? C'est le gouvernement français, c'est l'État français. Donc, tout bagaille ça, c'est des bagailles qui pour résoudre à travers les nouvelles diplomaties professionnelles, les gens valables. Comme ministre, comme premier ministre, comme président pays, il y a une équipe des autres qui a fait, on sait des documents historiques qui font partie des patrimoines matériels, nous, comme peuple haïtien,
Jusqu'à présent, c'est ennemi nous, yo, c'est la France qui Oui, gagne original, yo, cap fait reproduction yo, et cap fait un pile l'argent sous documents historiques ancêtres nous ont mouru, yo battent la France. Yo écrit livre yo qui était pour nous comprendre ça qui passe yo. Eh bien, la France saisit une grande partie de l'archive, nous. Jusqu'à présent, majorité de documents historiques et puis fondamentaux en Haïti, yo parlant, Archives nationales d'Haïti, wap jwenn yo en Espagne, wap jwenn en Angleterre, wap jwenn yo en France, wap jwenn yo Portugal, wap jwenn yo Danemark, wap jwenn yo en Hollande, wap jwenn yo États-Unis, mon pape jwenn yo en Haïti. Tout ça, yo, lè n'ap fè l'État. Nous... C'est quoi l'émission qu'on a fait avec un jeune qui a fait doctorat aller au Brésil? Mais que monsieur carrément que bon, quelle que soit recherche ou besoin faire, on va faire l'Haïti, toute documentation net et historique et que en dehors d'Haïti. Et ça, c'est Oui, par exemple, pas même de ça, on est certain. oui, par exemple, ou gen wawè la, par exemple, gade bibliothèque, mwen gen la kaye mwen, mwen gon bel bibliothèque lan biwèm tou. Men ou gen wawè Haïti, sou ta fè richè sa yo, yon mouman, yo peye vin boule kaye ou avèk tout bibliothèque ou, bon, kon sa vè di gen yon batay kap fèt pou gonsey de, pou mèmwa sosyete Haïtienne nan yo, yo sankou, yo pa, yo efase li, ou bien yo kenbe mèmwa sa pou yo, mèm pou mèm Haïtien pou pa gen aksè avèk informasyon sa yo, pou pa kon la verite historik, pou ka fè la verite. Pase bon verite historik, ou kompren, yo gen do a distorsyonè li, paske mwen sonje mwen ta apri yon travay de yon filozof fransè ki rele Gilles Deleuze. Li di kon sa, histwa nou se l'archiv nou. Nou te kon antropolog Haïtien ki te rele Michel Rolf Trouillot. Michel Rolf Trouillot publie yon liv an 1994 ki rele Silence in the Past, Power and the Production of History. Kote li esplike le rol des archiv, li esplike lor bezwen domine yon pep so fè se archiv li ou kontrole. Ebyen, jiska prezan, les archiv historik d'Haïti, se pa le pep Haïtien ki kontrole li. Ak indépendance nou orijinal, ak indépendance nou apan Haïti. Original, original Constitution 20 mai 1805 lan pa an Haïti. Original, yon paket dokumen historik, Jean Wemdou lan se Bibliothèque Nationale de France, gouvernement français, yon genyen yon koleksyon an lin ki rele Gallica. Se lan koleksyon an lin Gallica, sa sou bezon achete, mwen men m'achete an pil, men se tout l'ajans ou ma bala se gouvernement français ki beneficio, bien ke mwen men mwen bezon livyo, pou m li, pou m ka fè avanse nan rechèche. Mwen wala. Bon, et que, n'a pas tout n'a pas sous question. Parce que réellement, on est qui a pile tout lé, gampi anti-coulé, on est sous la mode de Saline. Bon, et que, en tant que bon, et que, ou bien courage, je vous dis que bon, que chef de file là, c'était Pétion, on, et à Oui, pas deux vraiment projets c'est de dans ça. société. Mais qui est la chance vraiment Pétion te gagne avec des Salines? Et que, bon, nous capables même d'idée, parce que j'ai l'impression que, bon, avant 1804, et après 1804, jusqu'à la bonne de Salé. Oui, bon, Jean-Jacques Dessalines, moi-même, moi, pensais, son personnage qui est extrêmement complexe que lié. D'ailleurs, après, il a parlé de Dessalines, il a présenté lui comme un assassin et comme un traître, comme un criminel. Il a présenté Dessalines dans la peinture, il a fait photographie de Dessalines, il a présenté lui comme un nègre extrêmement laid. Vous comprenez? Alors que gen diskusyon kap fèt sou menm vre kouleur de Dessalines, gen moun kap esplike ke Dessalines se ton moun de ten kler ke lteye. Dessalines patou neg nouè, 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 jan yo vle fè kompren nan. Gen lot tez ki fè kompren tou ke Dessalines patou yon moun ki sot, jan yo prezante l kom yon moun ki sot tan. D'ayè, nap wè ke se Dessalines lan 1er janvye 1804 Bonaiv ki fè ki li diskou ak indépendance. Et jusqu'à présent, nous connaissons diskou ak indépendance an pa te kri an kreol. Se yon diskou ki te kri an fransè. Don sa ve di sou gwen yon seremoni osi, mde kapab di, e somptueuse kon sa ki se proklamasyon indépendance peyi ou gwen yon le general an chef de l'armée
Si c'est un monde qui te gagne un job, si tu comprends, ce n'est pas lui qui t'a pris le bail avec indépendance. Ça, c'est le sens commun nous, qui a montré nous ça. Ça veut dire, premièrement, il y a une recherche qui peut faire pour connaître qui est Jean-Jacques Dessalines, qui est vraiment, qui est background culturel. D'ailleurs, Arnold Antonin fait un film, Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon. Ouais, même là, film là, Jean-Jacques Dessalines, il fait un pile, Arnold Antonin fait un pile interview, un pile historien. Il même sous couleur Jean-Jacques Dessalines, même sous taille Jean-Jacques Dessalines, il n'y a pas qu'on a météo d'accord. Ça veut dire qu'il y a un pile énigme sous Jean-Jacques Dessalines. Mais pour rapport Jean-Jacques Dessalines avec Pétion, il fut un temps, Jean-Jacques Dessalines lui-même, il a fait croire que Jean-Jacques Dessalines était croit dans la sincérité de Pétion. Jean-Jacques Dessalines pas de quoi que Jean-Jacques Dessalines pas te dépasser clivage couleur pour monde. Jean-Jacques Dessalines pas de gain aucun de capable de suspicion que yon moun ta coupé tion ta pralé trahi. D'ailleurs, yo fait même quoi que Jean-Jacques Dessalines te gain un petit film quoi qui te les Célimène. Célimène. L'ité même vle pour petite fille ça. Vous comprenez, c'est pour sceller l'alliance. On songeait longtemps, l'époque royale, parce que mariage était même voulu pour petite fille, ça a été marié avec Pétion, une façon pour te. Avant nous dit des salines pour petit fils à démarrer avec était une relation amoureuse entre Pétion et Célimène tout. Oui, d'après, mais il était une portée politique, vous comprenez, il était une portée politique pour tant qu'on. Fait un pacte, une alliance, parce Noir. que ou pas qu'à faire une nation, la division ethnique, ou pas qu'à faire une nation sous base, distinction, couleur, etc. Donc Jean-Jacques Dessalines lui-même, il était voulu construire une nation, hein, côté gagner une sorte de convivialité, yon vivre ensemble, une harmonie en différents groupes, pour que tu gagnes une communion, parce que l'idée nation, hein, son projet idéologique qui va être un projet politique. Mais nation en tout, faut qu'on sente de communion, faut gagner une solidarité horizontale, genre que moi dis là. Donc, tout ça, Jean-Jacques Dessalines, de son vivant, c'est un monde qui t'a gagné de bonnes relations avec Pétion et son monde qui t'a voulu perfectionner type de relation lié avec Pétion. Pour moi-même, d'après information que je dispose, c'est ça que je suis capable de dire de relation monsieur, avec Pétion. Et y a, voilà. Bon, selon qui vraiment cause qui fait que l'équipe Saté Web a coupé par tous les moyens, c'est éliminé pour éliminer Dessalines. Bon, pas même Bon, dire ça, sacrifier, oui. sacrifier Dessalines. Donc, eh bien, nous sommes capables de dire, qu'on y a là, nous connaissons longtemps le terme oligarque qu'on a utilisé là. Réalité oligarchie a existé. Mais, nous parlons pas qu'on terme pour nous dire ça, son pratique oligarchique. Pour comprendre pourquoi ça a assassiné Jean-Jacques Dessalines, il y a plusieurs facteurs. C'est que les Haïti, les prend indépendance, les. Nous sortons dans un modèle colonial, mais nous rentrons dans un modèle postcolonial. Ça veut dire, c'est quand nous venons embrasser le féodalisme. Ça veut dire, d'un groupe de conseils de messieurs qui te voulaient mettre une structure féodale. Yote ouais masse peuplant comme des serfs, ou qu'on est là parler de féodalité, ou qu'on seigneur, le seigneur. Et puis, le Lord, ou bien Seigneur, là, il y a des serfs, il n'y a pas de citoyens. C'est des serfs qui ont obéi à Lord, Seigneur féodal. Eh bien, deux projets de société, hein, eh bien, tu as un projet pour faire de Haïti un système néo, système pour continuer le féodalisme, hein, pour ne pas rentrer dans le capitalisme modernisateur. Jean-Jacques Dessalines, il était bon l'autre vision, il était bon vision de la société. Côté africain, ça y est, qui bataille pour l'indépendance, les yo rivés, les yo prennent officiellement le nom d'Haïti à partir du 1er janvier 1804. Pour Jean-Jacques Dessalines, territoire, ça, son nouveau territoire. C'est peut-être ça où nous sommes capables, 1er janvier 1804. Jean-Jacques Dessalines n'a pas choisi ni un nom français pour lui ba nouveau territoire là, ni il pas choisi un nom africain. C'est un message clair de vous voyez, il choisit le nom Taïno Haïti.
Ouais, il choisit le nom Haïti. Et l'époque, ça tout, Haïtien, c'est H-A-Y-T-I, il t'est écrit. H-A-Y-T-I. Ça veut dire Haïti, ça n'est pas ni africain, ni pas ni français. C'est un territoire tout neuf lié. Son territoire qui doit gagner, qui gagne nous, une spiritualité qui propre à lui-même. Ça veut dire, Jean-Jacques Dessalines, il était gagné une vision pour créer un Haïti comme un côté tout le monde capable de vivre tant qu'un monde. D'ailleurs, et Haïti, ça a gagné une portée très spirituelle. D'ailleurs, Haïti, ça a tout, il a une connexion, et il est capable de dire avec même en hébreu, parce que l'oral en hébreu, l'oral gardé dans le judaïsme, ça, mot Haïti, en voulait dire. C'est un coup haïtien, c'est un coup peuple bon Dieu. Ça veut dire pays à son pays qui gagne un niveau de mysticisme et de spiritualité extrêmement profond là-dedans. Donc Jean-Jacques Dessalines, étant donné que l'idée voulait créer un nouvel espace, une nation, côté tout le monde est capable de vivre tant qu'un monde en Haïti. Mais il faut nous connaître que depuis son époque, toute cette ouverture, tu as gagné une série de généraux ou gradés dans l'armée, tout ça l'ouverture. Parce qu'il y a un pile de monde qui prend le fait, qui prend le leader dans l'armée indigène qui était sous commandement de Saline, il était avec Pétion tout. Eh bien, un pile là-dedans, tu as gagné avec Toussaint tout. Un pile là-dedans, tu as gagné fait l'argent. Ça veut dire, 1er janvier 1804, tu as gagné une sorte de classe de nantis, frère Vito. Et 1er janvier 1804, ou bon classe de nantis. 1er janvier 1804, ou dès que tu as une formation, ou ensemble des oligarques, même si non, on pas coexister. Et oligarques, ça, c'est pas moun pour clé seulement, tu as un pile moun noir là-dedans. Ça veut dire, tu as gagné les intérêts. Ça veut dire, depuis 1804, tu as gagné un groupe qui était ouais, politique là. C'est pas tant qu'on a un moyen yo pral utiliser pour yo permettre que société haïtienne nan li passe de yon point A à yon point B à yon point C à yon point D pour arriver dans le développement. Yo te déjà ouais l'État comme yon espace tribal côté yo ka foure men yo dans l'État pour yo enrichir tête yo. Ça veut dire même expression yo mal expliqué nous les Jean-Jacques Dessalines dit que Je dis en état comme un partage de gâteau. oui, les Jean-Jacques Dessalines dit, monsieur, plumez la poule, plumez la poule, mais ne la laisse pas crier trop fort. Yo voulez fort comprendre Jean-Jacques Dessalines que la corruption à Nègre, ce n'est pas vrai. Parce que Jean-Jacques Dessalines, ça l'a fait, il t'a pris le prend, inspecteur Enginac, il voyait pour l'inspecter les ports de Jacmel. Ça veut dire Jean-Jacques Dessalines, c'est un monde qui était très strict. Il t'a voulu pour en recette la douane yo, pour pas de corruption, pour une façon de capable de une recette yo, pour investir dans ensemble de projets de société. Par exemple, les Haïti prennent naissance aux Jean-Jacques Dessalines, te gagné 6 de capable dit et arrondissement militaire. Eh bien, dans chaque arrondissement militaire, ça te gagné dès que tu gagné l'école, il te mettait. Vous comprenez, Jean-Jacques Dessalines te gagné un projet de société, mais en face, où tu as une série de groupes moun qui te gagnent ouais, l'État comme un espace pour yo vin servir tête, mais ce n'est pas un espace pour yo vin servir société. Hein. Ça veut dire que tu as gagné trop intérêt qui te gagnent en jeu, eh bien, ça va l'expliquer. L'aide de Saline voulait faire réforme agraire. Nous pourrons joindre que ce soit généraux dans l'armée, un gros milieu, gros grade, que ce soit noir ou bien mulâtre. Yo t'apprends à venir avec des faux titres de propriété. Ça n'est que yo fait, yo fait des faux titres de propriété, y a le passé, li, sous 110 fait sous yo, pour ka faire que, quoi que, yo te gen propriété ça depuis longtemps. Jean-Jacques Dessalines lui-même, il te gen capacité pour détecter ces faux titres de propriété, là, il fait vérification des titres de propriété. Eh bien, monsieur, yo fait complot, yo mange Jean-Jacques Dessalines. Par rapport à projet de société là, qui c'est un projet de construction d'une société d'inclusion, et en face de Saline, tu as l'autre groupe là qui a un projet formé en société d'exclusion. Et malheureusement, depuis 1806,
rive jiska nou joun, generalman la histwa d'Haïti, se model l'Etat d'eksklusyon an, ki pran jaret sou model Etat inklusyon an. Chak peryode nou kon interval an l'histwa nou, ou gen emerjans yon l'Etat ki tab de yon Etat d'inklusyon, ebyen li pa dure an pil tan. Malheurezman, lan tout majorite tan, lan de kapab di devlopman sistem politik lan Haïti, se model l'Etat, monsye dam ki touye Jean-Jacques, assassine Jean-Jacques de Salignan, se model sa ki triyonfe jiska prezan, se a model sa nou an a fe Frè Bito. Men bon ba yon dare men di sou da Saline tou. Se diferent sembol ke Jean-Jacques de Salignan ki te pou peyi an. Jean-Jacques de Salignan ki te konstitusyon 20 mai 1805 lan. Son konstitusyon yon lè li ta important pou nou fon emisyon spesyal selman pou map li a ti konstitusyon yon pou nou epi pou map esplike nou sa a ti konstitusyon sa ou vle di. Paske aktuelman map travay sou yon liv sou konstitusyon 20 mai 1805 lan. Men o de la de konstitusyon 20 mai 1805 lan, Jean-Jacques de Salignan te kiton drapo ban nou. Drapo nou genyen, se drapo nou genyen, drapo wè bleu, rouge, avèk lè zam de la republik la dan li. Se pa drapo sa ki te genyen sou lè Haïti te yon empire e an de 1804 jusqu'a 1806. Se ton drapo ki te genyen de sembol ekstremman diferan la dan yo. Son drapo kote ou te genyen de lion, ou genyen precizèman te genyen yon lion e yon lion. Yon fòs enerji maskulin, lòt la se yon fòs enerji feminin. Sa ve di kote ou genyen enerji maskulin, enerji feminin nan yon an komplementarite. Tout sa ou se de gwo sembol sosyologik ke yon, sa ve di pou fonde, refonde nasyon, refonde lien sosyal lan, ou a bezwen gason ak fam, travay, men an men, pou yo refè sosyete an. Pou la model de Saline nan, li pat kontemple se nou ap gade sembol drapo an, li pat kontemple yon sosyete kade jake, kote gason pral fè kade jake sou fam, li pat kontemple yon model kote e l'ekol ap ouve, e pi, ti moun kolej pral l'ekol, ti moun nan l'ekol ki gen nan yo pral l'ekol, epi tout ti moun lise yo, yo menm yo pa ale l'ekol, paske lan model Jean-Jacques de Salignan nan nou we, gason ak fam, yo fè komplementarite. Son model lan drapo, lan sembol ki gen lan drapo, imperial Jean-Jacques de Salignan nan, ou genyen de lion yo, lion e lion nan, yo chak, yo itilize yon jam yo, pou yo kenbe yon kouwa nan lè. Sa ve di, sou ale dan la Bib, kote la Bib di, nou son nasyon sènt, nou se yon pep eli, nou son sasèdos royal. Sa ve di, tout sa, si nou al analize sembol nan drapo imperial 1805 lan, sa permèt nou ouvri de pisban nou pou n'étudye la spiritualite de l'om et de la femme an Haïti. Sa ve di, zansèt nou yo Jean-Jacques de Saline, li te konen spirituelman ki kote nou souche, ki fè nou rive gen gro batay historik sa. Sa ve di, wap gade depi nan proklamasyon indépendance nan, kote zansèt nou yo, ya bay le Dje de l'univers gloire, ya respecte le Dje de l'univers, yo di tout sa yo fè la cause de Dje de l'univers. Men pou yo van nou yo lot proje, se tankou yo montrou, se tankou, Sosyete Haïtien nan li pa bati sou ken form de spiritualite di tou. Apre, toujou nan drapo imperial Jean-Jacques de Saline nan, ou wè yon seri de pier precieuse nan drapo an. Mem le kok sportif ou wè la France pran, tout sa yo fè pati de patrimoine materyel peyi d'Haïti. Le kok sportif ou wè la France ap fè anpil itilize pou de kapab di sembol sportif, de tout sembol sa yo, se de Haïti ke yo vole yo. Sa ve di Haïti an son sosyete, nou bezwen sosyolog tan koum de moun ki travay sou le sembol, des antropolog, des etnolog pou nou kompran ki es nou ye kom pep, paske jiska prezan an 2024 lan, nou son pep ki pa kont ki kote n sorti. E sou pa kont ki kote n sorti, sou pa kont ki dimensyon spirituel ou, lap tre difisil pou konen ki kote ou situe dans le présent et ki
qui force ou gagne pour bataille, qui type de bataille ou ka mené pour libérer tête ou. Voilà, frère Bito. Mais tout ça, c'est héritage Jean-Jacques de Saline m'a partagé avec vous là. Ah, ah non, réellement, on va prendre un peu de bagaille. Et je crois que l'auditeur dit que c'était l'espère de nous, on va prendre un peu de bagaille tout. Mais que, bon, et bon, ça fait déjà 218 ans, nous avons dit Papa Nation a mouru. Et que, bon, nous voulons parler de Jean-Jacques de Saline. Et Guélé Mounio qui dit, depuis 1er janvier 1804, là, avec divergence qui était gagnée entre les deux groupes, nous étions déjà mal parti. Et là, nous regardons les journées aujourd'hui, 218 ans, bon, Guélé Mounio qui continue à servir avec nous, ça. Guélado qui même dit que, bon, il y a des justices pour Papa de Saline après 218 ans. Voilà, c'est que le monde qui l'a eu, et le monde qui mourit tout récemment, il n'y a pas de justice. Et que la société exclusive continue. Côté que réellement, on paye, et côté que nous ne voulons réellement voulu investir dans l'éducation. Et lycée, et que son petit groupe, seulement qui est toujours capable d'aller à l'école. Parce que là, après l'année qui se passe, l'année académique qui se passe, ou bien l'année scolaire qui se passe, il y a un côté que si l'école qui a fonctionné, en lycée, peut-être avec l'école nationale, si l'école n'est pas même capable de l'école et 4 mois même. Est-ce que vraiment pas une hypocrisie, je dis, et encore, là, on a parlé de commémoration à la mort Jean-Jacques Dessalines. Est-ce que je veux dire, nous allons continuer à tuer des salines tout, one, par comportement, non, de Dr. Saint-Paul. Bon, ça, c'est une belle question liée. Je vais commencer pour me préciser. Yo assassiné des salines, vous comprenez? C'est parce que y a son assassinat qui est lié. Et son assassinat qui, jusqu'à présent, était impuni, parce que pas gagné. On est capable de travail qui fait pour qu'on ait les causes de l'assassinat, un travail de mémoire que nous avons fait là, mais un travail de mémoire qui fait timidement, mais qui pas fait dans la dimension de la douleur fait là. Ou après l'histoire d'Haïti, moun qui premier écrit livre sur Jean-Jacques Dessalines, c'est des ennemis de Jean-Jacques Dessalines, c'est des ennemis de peuple haïtien. Par exemple, moi songe, le mwen tap fè doktora mwen lan au Mexique an mi l'anè 2000 yo, ebyen, gonzan mi mwen ki tap fè doktora lan histoire, pandan tap fè doktora mwen sociologi, li di mwen konseye ma li yon liv ki te re-ekri pa yon historien espanyol ki rele Juan López Cancelada. Ebyen, Juan López Cancelada sa lon liv li ekri li prezante. Alon liv ki soti l'anè 1980 yo, oui. Présenté de Saline comme un criminel, un brutal, un assassin, etc. etc. Pour commencer, en Haïti, jusqu'à présent, nous pouvons jambaye Jean-Jacques de Saline les funérailles nationales. Les restes de Jean-Jacques de Saline, pas de monde qui connaît exactement qui côté les Jean-Jacques de Saline. Parce qu'il faut connaître Jean-Jacques de Saline. Son moun après yon fin assassiné, li te gon complot pou yon te interdit pou te citer le nom de Jean-Jacques Dessalines. C'est peut-être ça, ouais, monsieur, yon fin assassiné Jean-Jacques Dessalines. Yon kouri al meton l'autre drapeau campé. Yon kouri changer tout symbole qui te constitue spiritualité société haïtienne. Nan. Yon changé en 1904, lè nou d'après fêter le centenaire de l'indépendance d'Haïti. Yon changé le nom d'Haïti. Yo retire Haïti H-A-Y-T-I, yo mette Haïti H-A-Y-T-I. Tout bagay sa yo, non pays par un jouet, tout bagay sa yo, se de thème que nous devons travailler sur yo, et se de zire yo fait que nous devons corriger bagay sa yo. Jusqu'à présent, et là nous a parlé de Jean-Jacques de Saline, songe et Saint-Dédé, qui te prend région Jacques de Saline qui te rapro qui te censé ramasser reste yo pour te al mettre yo un côté pour enterrer Jean Jacques de Saline songe Saint-Dédé alors quand songe yo ta dû rele défiler la sage
Ou songe sa yo te fè n'étudie nan histoire d'Haïti, yo di se défilé la folle. La folle. Yon moun ki pran res empereur lan, res yon empereur ki se fondateur yon patri, li ramase res yo parce se décapité yo, décapité Jean-Jacques Dessalines, li essaye fè yon pou ramase tout res yo pou la mette yo yon kote la place Saint-Anne-Balion plus ou moins ba ramase yo ba pou enterre yo pou yo ta fè moun sa passe kòm yon moun ki pi saj wi nan istwa d'Ayiti yo prezante li kòm yon moun ki fòl yon moun tèt pa byen sa ve di li ta dwe kite chè manje tout zosman anpwè la se lè sa li ta yon moun tèt byen se pou montre nou pou moun kap tande mwen sa yo ban nou kòm istwa d'Ayiti resi istorik yo ban nou yo. C'est des bagages qui pas camper sous rien, c'est des bagages qui pour allier nous. Ça veut dire Saint-Dédé défiler, l'état doit défiler la salle, c'est un monde toute portrait, toute sculpture, l'état doit dans toute musée, tout le monde doit étudier actionner dans l'école primaire, l'école secondaire, universitaire comme l'une des femmes les plus sages la époque Jean-Jacques Dessalines. Mon ouais ça yo dou son vieux femme fou, si c'est récent pour elle libral. C'est pour montrer que gon banalisation qui fait de héritage de Jean-Jacques Dessalines moi-même personnellement moi c'est un monde qui rentré les moins sorti tombec moi fin fait 6e secondaire monté par un bon pour au presse pour pas continuer études moi rentré lycée Jean-Jacques la époque ça lycée Jean-Jacques Dessalines il était hébergé là avec Christophe là beau tout près plage Jérémy et mon cher où qu'on est lycée Toussaint yo te construit un local pour lycée Toussaint tout près place Sainte-Anne lycée firmé te gen construction li la avenue Charles Sumner lycée Pétion te gen gros construction li la rue Bourges la poste marchand bon cathédrale là mais est-ce que nous connaît lycée Jean-Jacques Dessalines pas jambon local c'est là un ancien caï pour les jeunes magrois te volé. Selon ancien Kai pour les jeunes Magro à la vie Christophe, lycée Jean-Jacques Dessalines hébergé. C'est pour montrer, même au niveau du ministère, songez à l'époque, ça l'aide d'étudier, hein? Ministère la télé de ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Ça veut dire ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Ça veut dire, un ministère comme ça, l'État doit, c'est ministère ça qui doit construire. Yon nan pi gwo edifis building ki ta dwe genyen, si ta dwe gon pi gwo building pou yon lise, se pou lise jan, moun ki fonde nasyon el ta dwe ye. Nou gen tout lise yo, se jist nan ane 70 yo, yo pral pense a kreye yon lise Jean-Jacques Dessalines, ok, apouve proje pou kreye yon lise Jean-Jacques Dessalines, e le yo apouve kreye proje lise Jean-Jacques Dessalines, nan ouwe, menm l'Etat isyen pa investi yon goud nasyonal pou konswi yon campus, yon building spécifique pour lycée Jean-Jacques Dessalines. Là moment m'a parlé avec ou là, la zone lycée Jean-Jacques Dessalines et Kafoufè là son zone gang contrôlée. Jusqu'à présent, élèves lycée Jean-Jacques Dessalines yo en difficulté pour aller l'école. C'est pour montrer les moun yo a parlé de Jean-Jacques Dessalines papa nation hein? Et qui traitement nous pas papa nation, qui hein? Côté nous mettez reste. Est-ce que gon pardon gagnon gen des funérailles nationales qui t'est fait. Est-ce que nous te fait une messe ou bien pas qu'on messe écuménique ou qu'a invité tout le monde de toute confession religieuse pour faire une messe pour demander pardon à et ancêtres nous hein pour gens de capable dit monde qui vient avant nous yo traité li parce que toute nation gen spiritualité, OK? Moi même ou connais moi c'est monde l'église mais toute nation gen spiritualité. Nous pas totalement déconnecté avec ancêtres nous yo. Vous comprenez? Ça veut dire c'est pas pour dire moi-même avec nous fait tant pour l'orage calé. Non, nous connecté avec ancêtres nous yo. Façon nous traiter ancêtres nous yo tout yo gain gros impact spirituellement sous type de société que nous gagnons. Gros type d'harmonie, sous pas en harmonie avec ancêtres nous yo. Ou pas ouais, en 2008, les Barack Obama fait campagne pour le président. L'el bay discours, ou comprenez, yon nan discours qu'il te bay Philadelphie, ou elle dit, mais peuple américain, mais ça nous capable faire pour nous sortir dans la situation, en nous garder pour l'inspirer, pour yon faire sacrifice pour la société,
li mentionne Thomas Jefferson, li mentionne Abraham Lincoln, li mentionne tout héros indépendance américaine, nan, tout le monde qui participait dans la construction des États-Unis, en figure de proue. Mais nous-mêmes, tout, nous pas qu'à reconstruire Haïti, nous pas qu'à sortir dans le chaos, nous y est là. Si que spirituellement, nous pas en harmonie avec ancêtres nous, et ancêtres pères fondateurs nations, jusqu'à présent, nous pouvons jamais mettre nous en harmonie avec lui. Donc, c'est pour montrer, pour avoir tout à fait raison, ouais, et au monde qui a parlé, il fait partie politique Petite Dessalines. Mais Petite Dessalines, c'est Jean-Charles Moïse, nous connaît qui major Jean Petite Dessalines. Jean-Charles Moïse prend un drapeau noir et rouge, qui n'a pas gros qu'un pour avec drapeau Jean-Jacques Dessalines. Non? Si vous regardez les Jean-Charles Moïse a fait manifestation, il y a des mots sur toile noir et rouge. Pas grand rien qui pourrait avec, de capable de dire tout symbole qui te gagne dans le drapeau Jean-Jacques Dessalines. Non? Gardez ça qu'a passé dans le conseil présidentiel de transition. Hein? Délégué Jean-Charles Moïse, qui c'est Emmanuel Vertilaire. Gardez le scandale ILCC pointé du doigt Emmanuel Vertilaire avec Smith Augustin et Louis Gérald Gilles. Ça veut dire qu'il y a un monde ou un délégué Petite Dessalines dans le conseil présidentiel de transition. Hein? Alors que délégué ça, son raquette de Chatmimimia, alors que Mounio Dou. Yo représenté parti Petite Dessalines. C'est pour montrer en pile mon a utilisé le nom de l'empereur Jean-Jacques Dessalines pour yo ka bay tête yo une certaine légitimité dans l'espace public et politique là. Mais pas gen moun ki really, vraiment bay importance à projet original de Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines là, les nous font l'autre émission sous constitution 20 1805 là, frère Buteau. Ou connaît ça le dit? Li di pa gen aucun monde qui capable un bon haïtien sou pas un bon père de famille. Ou gagne propre politicien yo, yo gagne ti femme à droite, ti femme à gauche, fè petit, pa reconnaître petit, pa occuper petit, c'est bad femme, c'est ou comprendre c'est fait tout bagay qui contraire à idéal de Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines dou que tout jeune garçon doit gon métier, un travail manuel, li capable faire à mail, pour capable travailler pour l'occuper tête, pour l'occuper famille. Frère moi, ministère éducation nationale à l'époque n'a pas étudié en Haïti, c'était le ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. Après yo pral modifier nom, yo pral remettre action ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports et de l'action civique. Après yo pral vin créer un secrétaire d'état pour alphabétisation et action civique. Yo pral pi devant changer nos ministères éducation nationale. Depuis combien de temps la ministère éducation nationale rele le ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, frère Bito? Frère Bito, la époque moi t'a grandi Port-au-Prince, t'a grandi en Haïti. Te gen les collèges JB Damien qui t'a fonctionné. Te gen école professionnelle Salésien qui t'a fonctionné. École Sainte-Trinité qui t'a fonctionné. T'es un paquet l'autre l'école professionnelle dans le pays, a 100 pilotes de formation professionnelle qui t'a fonctionné. Frère Bito, qu'on y a la majorité l'école professionnelle sont yon pas fonctionné. La jeunesse aux abois. Alors que le projet Jean-Jacques Dessalines dans la Constitution 20 1805, il te dit aucun monde pas qu'a grandi sous pas gagné yon métier là. Alors que le ministère de l'Éducation nationale et de la et de la formation professionnelle, yo pa créer l'école, yo pa créer nouveau centre professionnel pour jeunes garçons avec jeunes filles, centre professionnel qui là yo fermé, c'est racket qu'a fait et puis moun so y a parlé avant rien au 17 octobre yo pral côté Jean-Jacques Dessalines yo t'ai assassiné le pont rouge là, sous passé là, ça c'est répugnance pour li ba ou, c'est kèple pour li ba ou, tellement sale. Tout président passé, depuis sous Lavalas, etc., pour arriver jusqu'à jour d'un jour d'un, espace sans salle d'un coup pétident, ou bien c'est un jour, deux jours avant 17 octobre, là, il y a besoin de faire activité. Yo. Bon, depuis quelques temps là, M. Barbecue a empêché. Allez, pour qu'on y a là, c'est Barbecue qui pourrait aller avec Jeff Flair, qui pourrait aller, c'est Jean-Barbecue qui érige la révolution des Barbecue qui pourrait déposer Jeff Flair pour Jean-Jacques Dessalines. Ou comprenez ça veut dire où est là qui ça nous prend? Nous prend là un complot, son pays qui a société qui a fonctionné tête en bas. Monsieur yo,
yo pa investi lan an yen ki gen pou avec Jean-Jacques Dessalines. Kote yo te assassiné lan, li pa jam prop. Ou kompran, ou wap wè, moun gen doa se krey, yo ap fè sou espas lan. Et puis, chaque 17 octobre, ou tande, oh, yo prale pont rouge, yo prale, etc. Mais lan ki situation nou ye. Donc, ça veut dire, Jean-Jacques Dessalines. Ta men tou kou, ou ta Jotim Rousse ou Marchand Dessalines tou, bon. Ou pa yo prétan kaj sa va, fè kaj sa va gen moun gen la den. Bon, Marchand Dessalines son lòt stratégie, parce que Dessalines sa k passe, lè li vin wè Port-au-Prince, se yon espace politique la, se transaction, se je koken, li mèm li leve siège politique paysan, la mete le Marchand Dessalines. Son façon pou te kapab gen pè d'esprit li pou li travay, pou li retire li lan tout question zigzani politique, lut d'influence ki fè. Mais si nou ta fè société, si nou ta fè l'État vrai, ou gen ISPAN, Institut de sauvegarde du patrimoine national, ou gen ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ou gen ministère culture et des cultes, est-ce que Marchand Dessalines, côté Jean-Jacques Dessalines, est-ce que sa patte là doit tout non musée, conseil de côté pour moun rénover li, pour moun a payé pour ta vie noue côté qui te siège capital pays d'Haïti sous Jean-Jacques Dessalines, les Jean-Jacques Dessalines sacré empereur. Vous comprenez? Qui ça nous fait avec des capables di couronne, qui côté bagay sa yo? C'est des bagay, nous ta dwe mettre dans musée sa yo tout moun, ta encourager jeune garçon, jeune femme. Al fait touriste local, y a payé laisser élève lycée, élève collège, yo gagnent yon réduction fait pour yo. On comprend nous faire réduction pour ici encourager touriste local. Tout ça t'a fait économie pays grand jarret. L'État t'a joint corps pour li investir dans une série de projets pour étrangers, en étranger t'a rentré. Ou comprend nous t'a fait Haïti un lieu touristique. C'est pas seulement des salines, mais Cap Wala, moi tout go et ou indépendance nous yo. Ça nous fait l'envie natale côté yo t'es fait là. Donc c'est pour montrer son société nous gon paquet de ressources côté nous ca créer des projets pour nous rentrer l'argent pendant que nous avons mis patrimoine matériel et patrimoine immatériel pays en valeur et pendant que tout n'a valorisé image d'Haïti sur le plan national et sur le plan international. Mais tout le monde s'est souffert l'argent, tout le monde s'est long course, y a battu entre eux même qui est-ce qui a volé plus, puis rapide. C'est la situation ça que nous trouvons. Ça veut dire. Et bon, heureusement, moi senti au niveau de la jeunesse, il y a des jeunes qui commencent à comprendre la nécessité pour prendre Jean-Jacques Dessalines au sérieux. Matéam d'Apta de Radio Caraïbe, il y a un jeune qui t'a parlé comment il y a une organisation, il a expliqué qui activité il va faire 17 octobre pour honorer Jean-Jacques Dessalines. Par exemple, l'autre bagarre il dit qui est intéressant, il dit que dernièrement nous ouais toute gros manifestation t'a fait pour jeter Jovenel yo etc. Ou pas ouais toute manifestation sur ce 18 novembre yo planifié yo c'est 17 octobre ça veut dire toute date ou gagner qui c'est date sacrée yo politiciens font gens yo désacraliser yo fait date ça yo tourner des dates gargotes côté ces manifestations ces boulets caoutchouc ces tirer roche. Alors que chaque 17 octobre, c'est le moment nous t'a doué la réflexion profonde pour nous connaître ce qui est passé et pour nous gagner la vérité historique et qui si nous ça nous doué faire pour ça pas jamais repasser encore l'histoire pays nous. Nous pas jamais réfléchir sur ça vraiment. Moi songe l'aime d'a grandi en Haïti et lycée Jean-Jacques Monteyé. C'est pas pour dire m'a fait lors de la dictature non, laisse à Jean-Claude Duvalier te président pays hein. Eh bien, laisse à la présidence, yo voye kob lan lycée yo, directeur lycée, à moi-même, le directeur lycée, blan, c'était yon nego kap le sa. Eh bien, yo fait maillot pour tout
élève dans le lycée, hein, depuis vous voulez, li obligatoire, faut aller pour rouge, nous tout à maillot, nous bien belle, n'a pas fait parade. Mais laisse à gouvernement central, là, li investi, li connaît ça, c'est une date historique liée, toute la jeunesse, yo doit participer. Mais Jean-Claude Anik est tombé, frère, 7 février 1986. Tout rituel ça, yo, tout aller d'un seul coup, oui, frère Bito. Ça veut dire tout bagay sur les n'a réfléchi. On sait de bagay mal qui fait la transition. Il faut nous courage tout pour nous pointer bagay mal ça du doigt. C'est début de transition. C'est un coup de travail systématique qui est un complot qui a fait contre la mémoire, frère. En tout cas, qui est réellement triste, bon. Vous connaissez que normalement, que même l'entafon, pour ça, il y a parlé. Déjà avec des salines, vous connaissez que vous avez pile en pile, bagay vraiment, vous avez bien poutine. Mais que ça que nous avons des routes, nous sommes très occupés. Nous sommes très occupés, mais si tu as venu plus souvent, ça t'a réellement aidé nous. Parce que réellement, il y a plus à jouer côté. Mais ça me prouve ça. Allez donc. Oui, je pense que c'est important nous-mêmes comme peuple pour nous connaître ça. Yo. Pour nous connaître, yo, parce que comme moi, do, que bon. Comme si la société pas noire, c'est une hypocrisie nette qu'elle est bâtie. Moi, c'est une hypocrisie parce qu'on monte à coup de Staline. Je crois que je dis encore, nous continuons à assassiner. Nous n'avons pas qu'à citer ensemble. Moi, mais l'exclusion toujours à continuer. Il est toujours prêt à continuer, là, puis que ça nous pas aucun problème pour nous parler de Dessaline. Mais, et que, comme jeunesse là, tout a gardé tout, et tout ça qui est passé là, je ne dis pas, parce que d'ailleurs, les gros victimes là, que c'est vous-même. Là, que vous avez une jeunesse, et que bon, pour réellement, pour irresponsabilité, nous, je ne vais pas aller à l'école, je dis pas. Bon, ça qui est que nous demandons carrément image que nous avons que l'école n'est pas tellement importante. Mais dans un pays que l'école n'est pas quand même ouvrir de façon normale. Là. Et nous avons dit depuis 86. C'est comme ça que lié depuis 86, c'est bon, je ne sais pas si d'accord avec moi. On. Parce que là, nous avons bon. Bon, en oui. Fait, et nous avons quelques mouvements de stabilité quand même. Oui, la période 86 pour arriver journée aujourd'hui. Ah bah c'est moi t'ai grandi, développé Carrefour Feuille et moi t'ai eu quelques périodes de stabilité entre Carrefour pendant période de décret entre Carrefour Feuille et Fontamara, c'est deux côtés ça. On fait toute période moi toute l'école jusqu'à Philom d'habiter Carrefour Feuille puis l'aime fin faire Philom à l'habiter Fontamara. T'as eu quelques périodes de stabilité quand même. Ouais par exemple souprend les 7 premiers mois de Jean-Bertrand Aristide, même sous période Nanfi, même sous période Prosper Avril, l'école la patrie est en niveau ça. Nous avons eu quelques manifestations, mais l'élève pas qu'on a fait. C'est de Malapie. Oui, mais c'est ça. Par exemple, toute l'époque, Jean-Bertrand Aristide, première version, 7 février 1991 jusqu'au septembre 1991. Si vous allez à l'école normalement, même sous Préval, première version Préval, si vous allez à l'école, c'est à partir du mouvement PHTK, vous comprenez? Et même la PHTK a eu un certain moment de certaine stabilité relative. Vous comprenez? Mais on a dit, c'est. Et récemment là bagay yo c'est dégénéré a dégénéré net en pile c'est dégénéré yo a dégénéré longtemps ou te gagne un 16 syndicat un principal syndicat professeur ou comprendre mais qu'on y a la gon paquet syndicat tout syndicat k'ap défendre yo do y a défendre professeur y a défendre élève tout ces bagay raquette yo que yo a mené ou comprendre c'est du ministère éducation nationale là li pas sur programme BNA quoi équipe bagaille qu'a fait c'est dit son éducation bordel c'est dit yo vini programme néolibéral yo craser éducation c'est un coup gon projet même pour pas bay moun tan kou mwen moun tan kou opportunité pour yo à l'école encore pour yo ka vini un autre gens dit c'est parce que son société roi pour moun k'a diriger yo
majorité là-dedans, presque tout le monde qui a une grosse force de responsabilité, ni madame, ni petit, à l'étranger. C'est donc que Haïtiens, son côté, ils viennent faire l'argent dans FATCA, ils viennent faire l'argent dans n'importe condition, mais après, pour y aller à l'étranger, pour y aller investir. Donc, c'est ça, alors que ça n'a pas gagné longtemps, hein. Si vous regardez même sous gouvernement Aristide, premier gouvernement Aristide, vous avez compté sous droite, oui, combien de ministres qui étaient gagnés madame à petit, à l'étranger. Moun yo là dans le pays. Pendant sous Duvalier, moun yo ministre, madame yo petit yo te là à vivre dans le pays. Mais quand y a sous ministre, madame yo petit yo te vivre dans le pays, son exception à la règle. La règle générale, c'est que ni madame ni petit tout le monde de ça veut dire tout le monde ouais Haïti tant qu'on une femme qui c'est une vache pour yo Travail. brouillette là, vous Oui. comprenez? Brouillette là, mais les vaches n'ont pas gagné les encore, vous comprenez, ou pas qu'à tirer les encore, tout le monde l'a répété. C'est comme ça la situation. Or, un pays n'a pas fonctionné comme ça, Frère Bito. Et ce n'est pas ça Jean-Jacques Dessalines te voulait. Jean-Jacques Dessalines, songez moins dur que l'été voulait, les pères et les autres dont les pères sont encore en Afrique. Jean-Jacques Dessalines n'est pas contemplé la création d'une société mi-haut, mi-bas. Ça parle de son société totalement égalitaire, pas une société totalement égalitaire. Il y a toujours une société stratifiée. Mais au minimum, tout le monde a besoin pour y vivre. Au moins, il y a une bataille pour chaque monde qui a un minimum, ça pour être capable de vivre. Ça parle de son société totalement socialiste, communiste, il veut fonder en Haïti. Non. Brian, il était doux comme ça. La propriété privée, son bagage est sacré. Donc, Jean-Jacques Dessalines, ce n'est pas un monde qui était rentré dans une logique ultra socialiste, non. Mais elle te voulait construire une société côté gain une certaine forme d'inclusion. Gon, il parle de bâtir une société sous exclusion. Donc, tu gain des contre lors sont haïtiens. Les deux haïtiens, c'est monde qui remet pays. Les deux d'ailleurs, l'autre nation, tu as une nationalité haïtienne. Non? Parce que pour lui-même, la nationalité haïtienne, c'est un bagage, c'est un privilège qu'il te. Ça veut dire l'homme nous sommes haïtiens pour Jean-Jacques Dessalines, le fait qu'on fait sous mon sauté ça, c'est un coup ou fait partie de un peuple béni ou pas n'importe qui monde. C'est comme ça Jean-Jacques Dessalines était ouais société hein, et il a bataille pour mettre un projet de société par rapport à me capable dit et à qualité exceptionnelle peuple ça. Parce que pour Jean-Jacques Dessalines, peuple haïtien hein, c'est pas un peuple cocorade, c'est pas un peuple comme ça, il est son grand peuple. Et lui-même, il était un projet de société parce que lui-même, il connaît son grand peuple. Parce que Jean-Jacques Dessalines, c'est un monde qui était une connaissance de qui côté nous sortit. Et c'est ça qui manquait, nous. Nous ne pas connaître qui côté nous sortit. Même vraie spiritualité, nous ne pouvons jamais connaître les frères Bito. Et qui Hein? Même spiritualité, nous. Nous ne pouvons jamais connaître vraie spiritualité, non. en tout cas, bon, en tout cas que Docteur Saint-Paul que, et que bon, nous venons dans le mot de la fin. Bon, nous avons pour dire un mot de la fin parce que nous, ça s'est arrivé dans la fin de l'émission. Donc, jeudi à ce 15 octobre 2024, donc, l'an 2 jours, nous allons voir un peu de monde qui va faire des petites vidéos pour mettre sur TikTok. Bon, c'était très bien, chaque monde qui a dit un mot sur TikTok, font un bagage, font une petite vidéo, mettez sur TikTok, font une petite vidéo, mettez sur Facebook, servir à réseaux sociaux pour nous faire une promotion de notre travail de la mémoire, parce que Jean-Jacques Dessalines, l'histoire contemporaine, c'est un plus gros leader monde n'a pas connaît. Et je pense que le travail de récupération de mémoire historique, ça, c'est un travail qui est fondamental. Donc, moi, j'ai invité toute nouvelle génération, yo, tout le monde pour yo changer d'attitude, yo, pour yo connaître si nous sommes capables, malgré nous-mêmes qui sommes aux États-Unis, nous dans la diaspora, c'est un coup, un peuple qui est en exil, nous y. Vous comprenez, c'est tout comme un peuple qui est en captivité, mais nous-mêmes, nous libres. Nous libres, nous pas en bas chaîne d'esclavage encore. Le moment où on a parlé là, peuple haïtien pas libre vraiment. Peuple haïtien pas qu'à circuler dans le quartier. Si moun pas qu'à aller à l'école, m'attendez sur Radio Caraïbe, l'émission Grand Boulevard, là, côté. On pile moun, a vin di yo pa ka peye kay, yo pa ka manje. Jean-Jacques Dessalines ni pa travay pou sa.
Jean-Jacques Dessalines, c'est corruption qui t'a combattu. Jean-Jacques Dessalines, c'est pas tout corrompu. Jean-Jacques Dessalines, il te voulait mettre l'ordre de l'administration publique. Là. Chaque monde qui a une fonction de responsabilité en Haïti, l'administration publique, eh bien, mode idéal de sa ligne, c'est travail, utiliser pouvoir, là, et comme un moyen pour servir communauté, là. Donc, moi, je pense que jour, nous sommes capables de mettre en pratique idéal de sa ligne, laisse-nous abonner l'autre société, laisse à tout côté nous passer, nous avons plus fierté et à respecter nous, comme Haïtiens. Donc, merci, Frère Bito, pour l'invitation, ça, pour nous te faire exercice mémoire historique, ça, qui sont exercice mémoire historique, qui tout a kembe vivant mémoire collectivité. Hein. Parce que j'en nous dis en sociologie, toute société est avant tout une société de mémoire. Ok? Toute société, c'est avant tout une société de mémoire. Sans mémoire, pas une communauté. Sans mémoire, pas une société. Voilà, c'est ça, moi, je vous dis. En tout cas, merci en pile, le Dr. Saint-Paul, que pour contribution sur la côté, nous occasion 218e et la mort ou bien que nous avons commémoré après Jean-Jacques Dessalines. Parce que réellement que Jean-Jacques Dessalines, il travaille en pile pour nous. Il travaille en pile pour nous. Parce que son liberté de débat, nous, que c'est comme si c'est 100 personnes qui ont été coulées. Ce n'est pas la littérature, et pas la littérature, c'est l'action. C'est l'action que l'on a. Et réellement, que tout le monde connaît, on que pour M. Zadé Campé devant Pigoulamé, monde là, à l'époque, ça, faut des garçons. Faut des garçons, faut des pile conviction. Et faut un garçon tout, et qui pas connaît que c'est blanc qui a fait tout le bagage fou. C'est bon, et faut un garçon. Pour c'est pas la même blanc que pour si blanc à droite et pour faire à droite si blanc à gauche pour faire à gauche et nous quoi que après 218 ans c'est ça que nous ouais il y a alors quoi aspect pas couvrir là et chaîne nous faire c'est dimension internationale Jean-Jacques Dessalines tout façon littéraire Haïti comme une porte d'entrée mais Haïti pas de destination comme une porte d'entrée pour libérer tout l'autre monde qui l'en servait, tout l'autre monde qui l'en exploitation, tout l'autre monde qui l'en esclavage. Les Jean-Jacques Dessalines prend pouvoir là, une première action, il fait son lettre qu'il écrit. Président américain Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, pour lui dire, mais combien de corps les disposer pour lui bailler pour chaque tête américain négro, chaque noir aux États-Unis. Pour yo depuis yo vin Haïti eh bien pour yo capable vivre libre donc c'est pas une révolution qui était fait simplement pour nous mêmes qui petite terre mais son révolution était fait pour tous les opprimés pour tous les fils et filles de l'Afrique maintenant donc nous pas tant moyen aspect ça bon on l'autre là probablement bien sûr, capable une opportunité pour nous capable couvrir aspect ça yo. Oui que ça que l'important ouais. Quand écrit, on pour chaque, on était prêt pour te payer et pour liberté, pour te mettre à caillon. Qui ça que nous les outils. C'est question ça que nous posons tête nous et nous chaque doit poser tête nous question ça. Est-ce que vraiment vrai que qui ça la mort ça signifie pour nous? J'ai que nous appuyer là. Qui ça et que beau héros ça que Haïti bat là et que qui ça que nous imiter là Kaili on quand on a degré nous on quand on a degré éducation nous quand on a voté nous dans société qui ça que nous prend vraiment dans lui-même au moins que pour nous d'Haïti Haïti côté lié parce que vraiment là, et puis l'autre bagarre là souligner tout c'est comment même des journalistes il a banalisé à continuer à associer Jean-Jacques Dessalines à des bagages négatifs. Il y a un journaliste senior dans le pays d'Haïti. Alors moi, il a tapé sur Twitter et puis il a parlé expression pas quitter Jean-Jacques Dessalines moi monter non. C'est tant qu'il a présenté Jean-Jacques Dessalines comme un monde violent. Ça veut dire les monde n'ont pas quitter Jean-Jacques Dessalines moi monter moi. C'est tant qu'on son monde qui prête pour faire dégâts. C'est pour montrer comment
même dans le langage quotidien, nous continuons à banaliser Jean-Jacques Dessalines. Tant qu'ennemi pays d'Haïti, ils ont construit un ensemble d'expressions et nous-mêmes, et alors, l'aime dit nous-mêmes, là, les censés vers en Haïti, yo, et la diaspora, il y a répété une série d'expressions qui a rabaissé Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines sont intrépides, il y a un monde qui pat l'anglien dans pour cause liberté. Eh bien, si c'est épée pour le mettre sous, la mettre épée. Si c'est manchette pour le mettre sous, si c'est balle pour le mettre sous, la mettre. C'est l'ensemble ça. Il n'y a pas un monde qui te joué avec un mini. Mais c'est pas un monde qui t'a fait violence sur propre société. Li. Alors que, ou après, la pratique quotidienne, nous l'en a parlé. Nous pas présenter Pétion, nous pas présenter aucun autre leader comme monde qui violent. Mais Jean-Jacques Dessalines nous présente comme un monde qui violent. Pas quitter Jean-Jacques Dessalines, moi monter. Ça veut dire, les Jean-Jacques Dessalines, moi monter, m'ka fait dégâts, m'ka chimer. Alors que ça n'a pas en rien pour voir avec la personnalité de Jean-Jacques Dessalines. Gèmou tellement bagay pour nous ta dit pour nous rééduquer moun sou Jean-Jacques Dessalines. J'en dis là, mon cher, nous te gen doit passer toute année 2024 la parler, oui, sous thème non. Bon, en tout cas, un bon merci que nous te gen, je dis avec nous, sous plateau Radio Télé-Solidarité, et docteur Jaïd du Saint-Paul, sociologue de formation, et que, on goût haïtien, et que nan tant que nous vivons là, parce que les aussi docteur Saint-Paul est toujours doux et que tout ça et tout gens que loi bagayo c'est pas gens que on se demande à passer sous côté avec à défendre ses intérêts personnels par yo parce que nous capable dire que le docteur Saint-Paul nous capable voir que sont haïtiens authentiques et qui t'a même vraiment vrai pour situation a changé dans le pays d'Haïti. Et c'est sûr que nous avons pour d'autres émissions encore, et que avant fin année 2024 là, parce que d'ailleurs, que bon, les grandes vidéos qui sont là, que bon, moi je suis que nous avons dit, bon, soit fait gang yo, et que ça fait longtemps que tu as besoin de faire une émission avec les sous-gangs. Mais quand même que ça a beaucoup fait, et même qu'on est que c'est la gang pour le pays. Eh bien, moi-même, personnellement, je suis par Radio Télé-Solidarité permission ou qu'à éditer vidéo ou qu'à passer lien et ou qu'à passer sur chaîne télévision. OK, parce que m'entendez le matin, c'est extraordinaire. Bon, si nous éditer il va passer seulement dans Radio Télé-Solidarité, il va passer dans Kemoujian qui est dans la Nando, avec Kemoujian qui est dans Elisabeth. Pas de problème. Et en tout cas, merci, que réellement, que nous prêtons en contact et Dr. Saint-Paul. Et vraiment, que vous connaissez là, c'est Caillou. Vous pouvez passer n'importe où. OK, bien, merci. Bien, Bito. Moi, je dis tout le monde, Radio Télé Solidarité, merci pour le temps que vous avez tant de nous. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Frère Bito. Bonsoir. Bonne soirée. OK, bye bye. OK, bye bye. Bye bye. Bonito t'a déjà débordé, si l'eau coulait dans genou, t'a tombé la rivière. Cimetière Port-au-Prince, t'a contracté au gaz, si t'a beauté cadavio qui sorti fort dimanche. C'est pour nous, Yobine, c'est pour nous, Yotomé. C'est nous qui pour lever. Why?
pardon pas dit Marie, non bon j'ai pas crié, même pour yon vieux ami. Pas dit que ça fini, c'est pas la vérité, marchant douleur yon là, y'a qu'on a bon marché. C'est pour nous yon bide, c'est pour nous yon tombe. C'est nous qui pour lever yon. C'est assez, yo tout nan fort dimanche, camarade, tant de rel, yo li répond dans un travail. C'est pour nous, yo bide, c'est pour nous, yo tombe. C'est nous qui pour lever, yo. C'est pour nous, yo bide, c'est pour nous, yo tombe. C'est nous qui pour lever, yo. Même si n'est rien qu'à
t'es mouri, oh.